Les plantes comestibles qui font partie de notre alimentation ont toutes une origine sauvage. On peut trouver certaines lors de nos promenades, et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, ces plantes sauvages qui sont comestibles et même délicieuses. Ce sont des plantes qu'on peut trouver sur les bords des chemins pendant nos promenades, en milieu ouvert, au bord des haies, ou comme ici, au bord des milieux humides. La reine des prés est une plante qui pousse sur les prairies humides et c'est l'une de mes fleurs préférées, ne serait-ce que par son parfum, parce qu'elle a un parfum très délicat qui se rapproche un peu de la vanille et qu'on peut mettre à profit dans la cuisine justement. On va cueillir les fleurs et puis une fois rentrées à la maison, les faire infuser dans du lait. Quand le lait a suffisamment infusé, on va le filtrer et l'utiliser comme base pour faire un entremets. On va aller maintenant à la découverte d'une autre plante qui est la carotte sauvage. Celle-ci, contrairement à la reine des prés, pousse sur des zones sèches. Vous la trouverez très facilement au bord du chemin. On trouve fréquemment en son centre une petite fleur noire qu'elle est l'une des rares à posséder. Le moyen sûr de la reconnaître, si vous retournez la fleur, ce que vous voyez autour de la base de la fleur, c'est ce qu'on appelle des bractées, et chez la carotte sauvage, elles sont ramifiées. La partie comestible de la carotte, c'est évidemment sa racine. Chez la carotte sauvage, elle va être plutôt blanchâtre et un peu ramifiée, contrairement à la carotte cultivée. Elle aura les mêmes vertus gustatives. Les feuilles sont également comestibles, on pourra les rajouter à une salade composée assez facilement. En forêt, il y a beaucoup de plantes comestibles. L'une de celles qu'on repère le plus facilement, c'est celle que j'ai à la main parce qu'elle a une feuille qui rappelle beaucoup la feuille du trèfle. On l'appelle l'oxalis. Sa particularité, c'est son goût. Un goût très particulier, un goût acidulé. Et on peut la consommer telle qu'elle ou alors même la piler pour l'incorporer à des sauces. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas en abuser parce que c'est une plante qui contient de l'acide oxalique. Et l'acide oxalique, c'est la substance qui aurait tendance à nous faire faire des calculs rénaux. Toute cueillette de plantes nécessite quelques précautions. C'est déjà de ne pas épuiser la ressource. L'autre précaution, c'est d'aller avec sa récolte voir un pharmacien qui saura identifier les plantes avec sûreté. J'ajouterai pour terminer que la cueillette est interdite sur certains lieux. Je pense en particulier aux réserves naturelles, ainsi bien sûr que les sites naturels protégés par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine.